Salut tout le monde, c'est ML Bro et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Coliseum. Voilà, faut que je fasse kiff quand même. Putain, il faut pas me laisser la place. Un petit Coliseum, donc on se retrouve sur Dofus, bien sûr. Alors, je tiens déjà à m'excuser, oui, j'ai eu à peu près ouais, 2 semaines d'absence. Ouais, 2 semaines sans faire de vidéo, donc je tiens à m'excuser, c'est que j'ai pas une super connexion. Bon, on va présenter la team. Alors, SRAM 173, moi, donc... Un FK 142, donc déjà super, il n'y a pas de Nemo. Et un EK 171, ok, là c'est bien. Contre un EK 181, super. Un SRAM 171. Et un Sakri 171. Donc eux, ils ont tous des bons niveaux, et nous on a juste un FK qui est pas super ouvert. Au petit. Alors j'ai regardé, j'ai pris un autre item... Un item en plus. Putain, c'est pas possible. Bon, moi je pense plutôt éliminer les cas en premier parce que voilà. C'est tout ce que les cas pour les scrums, c'est pas super. Pour les cas perception. Bon, bah, ok, on en a un avec nous. Là, justement, ça va aller jouer. Bon, de toute façon, il a beau faire partition. Juste sur le piège. C'est pas terrible, ce que j'ai fait. Ah, bah, oui, par contre. Bon, il va falloir que je recule, hein, parce que les cas va forcément vouloir. Ah, il a pas beaucoup de res R, donc je vais plutôt taper R sur lui. Ok, donc, la SRAM. Sacré, j'ai déjà vu. Qu'est-ce qu'il fait? Héros de la fortune sur rien. Oui, je me disais aussi. C'est dommage, moi j'aurais pas d'armure. Parce que je voulais quand même déjà directement taper les cartes. Bon, le Sakri, ouais, il est bon. Bon, un SRAM, ça dépend comment il joue. Bon, je vais plutôt essayer de taper les gars. Comme je disais. Donc, le FK, lui. Il faut l'armure surtout sur lui et les cas. Ça c'est bien. Quel stuff a le SRAM? Déjà, il est plus d'unis que moi, donc de toute façon, les SRAM ils ont beaucoup d'initiatives, c'est vrai. Donc là, il voit, il joue poison insidieux, il va peut-être faire des pièges de science. Mot, piège d'immo, et puis il a pu. C'est sûrement pour lui. Donc il va taper avec. Non, c'était pas pour lui. Par contre, il s'est très mal placé. On va faire un petit piège de science. Oui, j'ai assez. On va plutôt faire un achat. Voilà. On recule pour le... pour les cas. Moins 225 pour les pièges, enfin pour les poisons. Mais sûrement faire cette seconde, il va trouver mon piège. Non, même pas. Bon ben voilà, c'est super ça. Seulement 400. Donc c'est pas trop mauvais. Bon, il fait contre-coup. Bon, c'est pas grave, ça dure que 2 tours. Tant qu'il fait pas chance des K-flips, ça me suffit. Donc tout le monde perd 50. Tout le monde perd 50 en fuite. Donc ouais, tout d'accord pour aller roxer les cas. Bon, je bloque peut-être un peu. Putain, il n'y a pas de PM lui non plus.
Moi, j'ai pu me jouer avec le plaisir impulsif, parce que mon gars m'a tapé. Bon, là, on gorera aussi les gars directement, donc comme ça, pour qu'on soit... Que ce soit largement plus simple pour nous. Il faudra faire attention au SRAM qui est juste là, qui est juste à côté d'ailleurs. Après, je pense que déjà, Zachary déjà la transpo, ah non. Bon. Zachary joue Rox sur les cas. Donc, il fait un peu comme nous, sauf que le cas reste à fond. Donc, ouais. Donc, non, il compte Roxer le Zachary. D'accord. Je pense que c'est plus avantageux quand même de roxer les cas Garrett, tant qu'il a pas fait chance des cafés. Parce que là il va pouvoir tenir beaucoup plus de temps, parce qu'il va le faire au prochain tour. Ou peut-être même pas en fait. Parce qu'il a gagné 1100. Là. Il est où son contre-coup? D'accord. 1105. Ouais, si j'arrive à le descendre assez. Faudrait que je le descende, ouais, c'est pas du mieux en étant invisible déjà. Merde, j'ai pas regardé ce que a fait le. Oui, bon, de toute façon, il a tout mis là. Moi, je veux rien avoir. Voilà. Ok, bon. Soit je vais vers là, non, pas vers là parce qu'il y a les pièges obligés. Vaut mieux que je me barre plutôt vers là. J'ai fait un coup critique sur le poison insidieux, c'est bien. Une roulette de BM. Et une autre roulette 400 tel. Il sort de classe. Il va faire perception, mais bon, ça me dérange pas trop. Parce que je vais être visible au prochain tour, donc voilà. De toute façon, avec 5 PA, il va pas me taper énormément. Voilà, j'ai dit moins de... Voilà. De toute façon, je regagne des points de vie avec son tour, rien. Donc, il a pas fait chance des cas. Non, il a pas fait chance des cafés. Donc, normalement... Ouais, il a beaucoup de race terre, donc je vais essayer de roxer terre, mais bon... En espérant... Je vais dire au FK. Voilà, je vais dire le taper pour qu'après je le finisse. À un moment que le sacré change la donne... Il va quoi? D'accord, pourquoi me rox moi? Je ne vois pas trop pourquoi. D'accord. Bon, bah tant pis. Il ne semble pas durer trop longtemps. Ouais. De toute façon, ça fait au prochain tour pour. Ah! C'est bien joué ça, alors on va sortir. Donc le sacré a un bon cac pour taper du 1000 par tour, mais non, je pense pas. Le SRAM va sûrement essayer de me finir, sauf s'il veut contrester un vie. Il est loin de moi. Non, non, il pourra pas me taper. Ouais, il est assez loin, de toute façon. Là, il est là, il lui reste 7 PM. Oui, c'est bien joué, de toute façon. Avec une petite cendrerie, il est fini. On va taper, le sacré il a quoi? On va taper, ouais, 2 AM, hop. Bon, je pense que de toute façon, je vais être fini normalement. Ah, putain, le tout rien. Ah putain. Putain, le tout ou rien qu'il sauve quoi. Ça
Ça, c'est n'importe quoi. Mal joué. Par contre, c'est bien ça. Il est parti attaquer. Oh, on a plus cher, lui. Tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait perception ici? Je crois qu'il a pas fait chance d'écart. Hein. Ah si, 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 il l'a fait. Là, c'est totalement inutile de le taper. Par contre, le sous-sacré, il a fait n'importe quoi. Il a fait pipi sur l'écart. Tandis que moi, je pouvais tuer largement. Ok. On va faire un poison ainsi de faire lui. Hein. Non, même pas, on va mettre des pièges comme ça va être double dégâts au prochain. Je me rappelle plus si c'est le SRAM est là. Bon, le SRAM est full life. Il a bien géré un vie. Comment on va faire? Il s'en sort comment niveau point de vie? Bon, il est pareil que moi. On a notre cas qui est en mystère, et notre cas et leur cas aussi qui est mort au prochain tour. Ok. Bon, bah, moi je pense. Alors, qu'est-ce qu'il il a fait? Je pense des caisses sur le quête, sur le sacré ou sur lui? Non, c'est bon. On va essayer de finir le sacré. Là, pas du tout. Mauvais jet. Ah si, c'est bon. Hop, et on se cache. Bon, voilà. Le sacré est fini. Je tapais du 1500. Hein. 1600. Ok, bon, il nous restera les cas. Bon, les cas, prochain tour. Enfin, à ce tour-là, il est mort. Il va sûrement être tué par les cas. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire? Contre-coup, mais ça change rien du tout. Bon, il nous restera juste le SRAV, qui sera assez chiant parce qu'il va se mettre en vie. Pourquoi tu me tapes moi? Ok, il va finir le 4. SRAM. Ça gêne. Le SRAM. Note au moins un point dans le sitio. Il va pas se mettre en vie à ce moment-là, il peut pas. Un tour de retard, donc normalement, mine de rien, c'est encore serré parce que le SRAM prend la vie. On a juste à espérer que l'EK. Non, fallait pas aller voir là. Parce que l'EK, le SRAM va se barrer mais directement. Par contre, là, il est keblo, c'est bien ça. Je vais faire un truc pour qu'il puisse pas le. Qu'il puisse pas le mettre. Mais non, tordu. Oh là là. Ah, c'est pas possible ça. Bon, il se débarrasse du chacha. Il se fait un petit peu de magie, mais par contre, là, c'est un peu chiant. Excusez-moi. Ah, merde. Merde, merde. Bon, de toute façon. Chier. Bon, allez, au pire. Peut rien faire. Bon, bah, c'est mort. Ah, vas-y, non. Pourquoi mon portable a téléphoné, ça me fait perdre du temps là. J'espère les cas qui perdent du TPM.
d'ailleurs, avant qu'il se mette en vie. Parce que dans deux tours, il est en vie. Ça, c'est sûr. Parfait. C'est un mini réseau, en fait. Ça arrive un peu là au niveau des là. Donc ça c'est sympa, il m'augmente considérablement mes résistances. Ok, 1900 points de vie. Encore des choses à jouer, moi je vais me taper des points insidieux. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il m'a sûrement mis là. Je crois que vous ne voyez pas ma souris. J'ai mis le piège repulsif là, pour que ça fasse chier le VK. Okay. Il est parti là-bas. On va faire que j'ai. Ouais. J'espère que pour vous, vous ne lisez pas le chat, le canal, là, parce que ça n'arrête pas de s'insulter depuis tout à l'heure, c'est mort. Bon, il y a le poison insidieux, après il va se prendre le piège, donc il est fini pour un tour, c'est bon. On va dire GG, même si le garage, je ne sais pas quoi. Bon, ben, voilà. Bon ben, c'est un colis qui était pas super équilibré, donc je vais vous remontrer les niveaux. Bon, mais bien sûr, je sais que ça veut pas tout le temps dire quelque chose, mais voilà, donc 170, 173 pour moi, 143, 172 contre 271 et 180 qui étaient Sacri Opti et un Eka Opti. Après l'autre c'était un SRAM. Le SRAM était bon aussi, donc on a juste assez bien joué. Bon, le Feken nous a bien servi, malgré son niveau 143. Donc le combat était assez intéressant. Bon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, commenter, faites tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine fois et encore excusez-moi pour ce retard sur les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut et je vous aime mes bros.